Salut. Je me trouve dans un monastère... un monastère qui vénère une sorte d'entité extra-dimensionnelle. Mais alors, si je suis ici, c'est pour mettre la main sur... Excusez-moi, frère Uldred. Oui, c'est la passion qui m'anime. Je vais baisser d'un ton et continuer mes vénérations des anges de sang. Merci. Ouais, je vais devoir peut-être baisser un peu le ton, là. Oui, donc je disais... Bref, je voulais faire une vidéo sur les Banshees. Les Banshees sont aussi appelés Banshees ou Bean Seed, désolé pour la prononciation, qui veut dire la fée des collines en irlandais. Binigue, qui signifie la laveuse du gué, ou encore Coinag, en Écosse, qui veut dire la pleureuse. Je suis pas sûr de la prononciation, mais bon. Les Banshees, on en trouve principalement dans les pays anglo-saxons, comme l'Irlande ou l'Écosse, ou parfois en France, comme Mélusine par exemple. On les catégorise parfois en tant que fées, aux Grèces, mais la plupart du temps, elles sont considérées comme des revenantes. À l'occasion, il faudra que je vous fasse une petite vidéo pour expliquer la différence entre les fantômes, les spectres, les revenants, les poltergeists, mais ça c'est pour un autre jour quoi. Si on remonte le temps, au temps des clans dans les pays celtes, elles étaient considérées comme des intermédiaires entre le royaume des dieux et celui des hommes. C'étaient des jeunes filles venues de l'autre monde. Elles étaient pâles, avec des longs cheveux et toutes vêtues de blanc. Chaque clan important avait sa banshee et cette dernière veillait sur les membres de la lignée. Si la banshee se mettait à pousser un cri lugubre et déchirant, c'est qu'un malheur pesait sur le clan. Cela pouvait être un incendie de château, une catastrophe ou encore... la mort. Les représentations de la Banshee sont très différentes car leur description venait avant tout d'une tradition orale et donc peu fiable. Ce qu'on peut néanmoins relever, c'est qu'en Irlande, la Banshee est souvent décrite comme une femme à la longue chevelure grise et en bataille. Elle aurait aussi une robe verte et un manteau gris. Et enfin, ses yeux sont rouges. Pour une raison évidente, elle n'arrête pas de pleurer. De nos jours, elle est plutôt vue comme une sorte de silhouette fantomatique et vaporeuse, entre une belle jeune femme et une femme mûre aux traits creusés par les pleurs et la douleur. Ah, t'es con, Bernard! Ouais, j'arrive, je termine et puis j'arrive. Oui, c'est pour Charles-Henri, c'est sur les viscérations des... Ouais. Ouais, on se voit après. L'horrible cri de la Banshee est une sorte de pot-pourri de sons déchirants et désagréables. On dit que ce cri est une sorte de longue plainte douloureuse et géniarde qui évoque les hurlements d'un loup mélangés aux pleurs terrifiés d'un nouveau-né abandonné, auxquels s'ajoutent des cris... de femmes qui accouchent. Et ne me demandez pas pourquoi, spécifiquement, le croassement d'une corneille. Suite au cri, il n'est pas rare d'entendre de longs sanglots. Avoir une banshee qui veille sur votre famille n'est pas accessible à n'importe quelle famille pour venant d'un pays celte. Non, c'est comme une distinction, une légion d'honneur fantomatique, si vous préférez. Voici ce qu'en dit Jane Wilde, poétesse et journaliste irlandaise dont le nom de plume est Esperanza, dans son ouvrage Ancient Legends of Ireland, Ancienne légende d'Irlande, de 1887. Seules certaines familles de haut lignage historique, ou les personnes douées pour la musique et la chanson, sont protégées par cet esprit. Parfois, la banshee prend la forme d'une douce vierge chantante, morte jeune, et à qui les pouvoirs invisibles ont donné la mission de devenir l'annonciatrice des deuils qui vont frapper ses descendants. Ou bien on peut la voir sous la forme d'une femme enveloppée dans un suaire et tapis sous les arbres, en train de se lamenter derrière sa face voilée. On peut aussi l'apercevoir en train de voler au clair de lune, pleurant amèrement. Les pleurs de cet esprit sont les sons les plus lugubres que l'on peut entendre sur cette terre. Ils présagent à coup sûr la mort de l'un des membres de la famille lorsqu'on les écoute dans le silence de la nuit. Fin de citation. La Banshee est une entité si fermement attachée à une famille que lorsque le clan O'Gradis immigra au Canada, leur Banshee poussa de longs gémissements lorsque deux membres de ce clan moururent à une distance si éloignée. Si on devait faire une distinction entre les Banshees irlandaises et écossaises, on pourrait dire que les écossaises sont beaucoup plus polyvalentes. Walter Scott, romancier, poète et avocat écossais, écrivit à ce propos dans son ouvrage Histoire de la démonologie et de la sorcellerie, publié en 1832, le paragraphe suivant.
Plusieurs familles de montagnes d'Écosse prétendaient autrefois à la distinction d'avoir un esprit domestique qui remplissait les mêmes fonctions que la banshee d'Irlande. Cependant, les devoirs de cet esprit, dont la forme et l'extérieur variaient suivant les occasions, ne se bornaient pas à annoncer la mort de ceux dont les jours étaient comptés. Les montagnards savaient en exiger d'autres services, tantôt d'écarter d'eux les périls d'une bataille, tantôt de veiller sur l'enfant qui devait être leur héritier, et de garantir que tous les dangers particuliers qui pouvaient lui arriver n'arriveraient pas. À l'appui de ces dires, Walter Scott cite le cas d'un de ses ancêtres qui avait à sa disposition une banshee. Parmi ces esprits qui ont bien voulu prouver leur existence dans les temps modernes est celui d'un de nos ancêtres de la famille MacLan de Lochbuy. Avant la mort d'un de ses descendants, ce fantôme chef galope le long du bord de mer près du château et annonce cet événement par ses cris et ses lamentations. On dit que ce spectre avait fait sa ronde et poussé ses cris pendant quelques années quand on apprit la mort du brave chef de famille, tandis qu'il servait à Lisbonne sous Lord Wellington. Saviez-vous que dans ces Highlands d'Écosse, une banshee surnommée la laveuse du guet lavait les vêtements de ceux qui allaient périr au cours d'une bataille? Étonnant, mais j'ai mieux. La banshee de la famille des MacLeod hissait chaque matin le drapeau aux armes de la famille et berçait l'enfant héritier dans son lit. Très pratique. Mais j'ai encore mieux. La banshee du clan des Grant, au XVIIe siècle, elle indiquait à son seigneur les coups gagnants aux échecs. Ouais, là, c'est clairement un avantage déterminant, une banshee. Extrêmement pratique. Je me rends compte que j'ai totalement zappé de vous expliquer pourquoi je me suis infiltré ici. Et même pourquoi je voulais parler de la banshee. En fait, à côté de leur vénération au culte, ils font un super fromage, une tuerie. Sauf que pas moyen de s'en fournir ailleurs qu'ici. Bah, ça valait carrément le coup. C'est ouf. J'ai pris du stock de quoi tenir un bon moment. Bref, mission accomplie. Je vous laisse sur ce proverbe arménien, quelque peu amer, mais ça m'a fait penser au banshee. Les larmes sont un langage qui ne peut être compris que par celui qui a déjà pleuré. Allez, à la prochaine. Et bon app. C'est ouf. Thank you.